Une fois de plus, Business France est ravi de participer au SIAM Maroc. Nous sommes là depuis l'origine du salon, donc quasiment la 16e édition. Et nous sommes ravis de coopérer avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc pour organiser ce beau pavillon avec plus de 37 sociétés ici présentes, recouvrant toutes les filières de l'agroalimentaire, tant sur l'élevage que sur les cultures végétales. Et donc nous sommes ravis d'amener à la fois des entreprises, mais également des centres de recherche, des centres de formation, des interprofessions aussi françaises qui sont là pour présenter justement le savoir-faire et la qualité des produits français. Et puis nous sommes ravis ici d'être présents sur ce salon car je pense que nos deux pays ont tout à fait à apprendre les uns des autres, notamment avec vous, votre expérience sur toutes les thématiques qui concernent le climat, la désalinisation de l'eau et puis l'irrigation. Donc vous avez eu à relever des challenges dont maintenant nous faisons face et donc nous serons ravis de pouvoir apprendre aussi de votre expérience et d'échanger voilà, entre nos deux pays. Pour nous c'est un plaisir d'assister de nouveau au SIAM. Nous sommes vraiment au cœur de la mission de la Chambre, puisque depuis le début, nous accompagnons les entreprises françaises sur le SIAM pour pouvoir créer de l'échange entre nos deux pays. Ce qui est important aussi à noter, donc sur les 37 entreprises, ce sont 19 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque notre objectif est aussi de pouvoir rassembler les régions françaises et les connecter aux régions marocaines. Alors tout ça, encore une fois, avec une recette, mais qui n'est pas celle du passé. Notre recette, c'est justement de pouvoir créer de l'échange entre les entreprises, non pas que de l'export français vers le Maroc, mais l'inverse, créer des rencontres, permettre aux entreprises de se rencontrer, de dessiner un peu l'avenir économique entre nos deux pays, de pouvoir s'associer, de co-investir. Et donc notre idée, c'est d'être présent au SIAM pour perpétuer cet échange économique entre la France et le Maroc, puisque c'est l'ADN profond de la Chambre française.